Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo pour vous expliquer la différence entre l'alimentation émotionnelle et donc les compulsions. C'est deux choses que je vois très régulièrement durant mes accompagnements nutritionnels en cabinet et en visioconférence. Donc vous allez voir, il y a une très grande différence entre les deux, mais on a tendance à les confondre. Donc premièrement, on va parler des envies de manger émotionnelles. Donc c'est souvent après un petit coup de mou, on va essayer de rectifier cette sensation de petit mal-être ou de petit coup de fatigue ou de moins bien, d'accord? Et là, on va pourquoi pas aller chercher du chocolat, mais ça peut être aussi un morceau de gâteau par exemple ou peu importe quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger. Et on va, par exemple, là, dans ce cas-là, on va prendre un carré de chocolat, deux carrés, voire trois, même pourquoi pas quatre carrés de chocolat. Et puis, on va être dans un mode de consommation, c'est là où c'est important, on va voir la grande différence, c'est qu'on est dans un mode de consommation plaisir, de dégustation. On est dans une alimentation, on va manger en pleine conscience, on va vraiment déguster, on va savourer, on va avoir les saveurs, etc. Et on est content de la situation. Et on arrive à la fin de ce petit coup de mou passager, d'accord? Et on est très content de la situation et ça ne nous pose aucun souci. On est typiquement sur une alimentation plaisir. Contrairement à la compulsion, vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. Donc la situation part du même point de départ, j'aurais tendance à dire, d'accord, sur un coup de mou, mais là on est sur des pensées négatives. C'est-à-dire qu'on se dit est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? À savoir que les compulsions alimentaires peuvent venir pendant un régime restrictif lorsqu'on vous interdit de manger certains aliments. D'accord? On passe quand même à l'action au bout d'un certain temps, on se pose beaucoup de questions, on passe à l'action, mais à partir de là, en fait, c'est impossible de s'arrêter. On est sur une perte de contrôle totale, contrairement à l'envie de manger émotionnel où on est sur une consommation plaisir de dégustation. On est sur des quantités qui vont être beaucoup plus importantes que l'envie de manger émotionnel. Je vous rappelle qu'on était sur 1, 2, 3, voire 4 carrés de chocolat, alors que sur la compulsion, on est sur des paquets, enfin des tablettes de chocolat, on peut aller sur des paquets de gâteaux par la suite, même des chips, etc. On est sur des quantités qui sont vraiment énormes comparées à l'envie de manger émotionnelle. Et on est sur une consommation, un mode de consommation qui va être en termes d'émotions négatives, alors que sur l'envie de manger émotionnelle, on est sur une consommation plutôt positive de bien-être. D'accord? Et là, on est sur ce qu'on appelle une humeur dégradée, alors que sur la partie émotionnelle, on est sur une alimentation plaisir. Donc vous voyez, il y a quand même une grande différence entre les deux, malgré qu'on puisse les confondre. Donc après, quand on a vu ça, qu'est-ce qui se passe réellement par la suite. Lorsqu'on prend l'envie de manger émotionnel, ça rétablit l'humeur. L'humeur de départ, on a un petit coup de mou, ça régule l'humeur, on revient à quelque chose de normal. Peu de calories sont consommées, contrairement à la compulsion qu'on va voir tout à l'heure. On accepte la situation et si vous voulez, au niveau de la diminution de ces envies, c'est durable, ça veut dire qu'on va prendre les quelques carrés de chocolat et stop, terminé. Par la suite, il n'y a pas, on n'y retourne pas quelque part. Et du coup, il n'y a pas d'incidence sur le poids, contrairement à la compulsion. Et là, on est sur du réconfort alimentaire
et un processus qui est entièrement normal. Tandis que si, lorsque on parle de compulsion, il n'y a pas du tout de régulation d'humeur. C'est-à-dire que malgré le fait de manger, c'est même encore pire parce que ça peut engendrer de la culpabilité, etc. Donc ça ne régule pas du tout le point de départ, ça l'empire. On est sur une prise de calories qui va être beaucoup plus importante, comme on l'a vu tout à l'heure, que sur la partie émotionnelle, de manger avec la partie émotionnelle. Et on n'accepte pas du tout la situation. On se culpabilise, on se pose énormément de questions, c'est pas normal, je suis bon à rien, etc. Et donc on est dans un climat émotionnel qui va être négatif, alors que sur la partie émotionnelle, manger émotionnel, on est sur quelque chose, sur une situation qu'on accepte totalement. Et du coup, ce climat-là va engendrer une augmentation de la fréquence. Donc là, on est vraiment sur la compulsion type. Et du coup, tous ces paramètres-là font que on est sur un principe de prise de poids. Et on est sur des troubles de réconfort et de dépendance. Voilà. Donc il y a vraiment une grande, grande différence, malgré, encore une fois, qu'on ait tendance à confondre les deux. On peut se dire, bon voilà, j'ai craqué, j'ai pris ça. Mais non, vous n'avez pas craqué du tout. Vous êtes fait plaisir en le prenant. Encore une fois, attention au régime restrictif. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Grégory Richard, je suis expert en approche comportementale de la nutrition. Donc je consulte en cabinet, mais aussi en visioconférence en France et à l'étranger. Et durant mes suivis, il n'y a absolument aucun aliment qui est interdit, aucune frustration, et je suis anti-régime. Et le fait justement de ne pas interdire d'aliments, parce que déjà tous les aliments sont importants, d'accord? C'est juste la quantité qu'il faut voir et qu'il faut adapter par rapport à notre situation. Mais le fait d'interdire, ça peut par la suite dérégler tout un tas de choses et entre autres entraîner des compulsions. Voilà. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, hein, Grégory Richard. Vous avez aussi la chaîne YouTube où vous pourrez retrouver toutes les vidéos que j'ai fait et les prochaines. Je vais mettre beaucoup de contenu. Vous pourrez me retrouver aussi sur Instagram et donc mon site internet www.grégory-richard.com. Je fais une petite parenthèse, je suis aussi le créateur d'une gamme de compléments alimentaires Nutrinium que vous pouvez voir juste au-dessus. Vous pouvez aller voir la gamme sur mon site nutrinium.fr. Voilà, c'est une gamme de compléments alimentaires de fabrication française. Je vous invite à aller faire un tour sur mon site. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!